Salut à tous, c'est DSSWX9 pour une vidéo de Far Cry 3. Alors pourquoi Far Cry 3? Parce qu'en fait j'ai demandé à pratiquement tous mes abonnés. Je vais essayer aventurier, ouais, aventurier. Alors simplement je fais du Far Cry 3 parce que en fait j'avais demandé à mes abonnés si vous voulez du Skyrim parce que je sais pas, quelqu'un m'avait parlé de Skyrim, je l'ai trouvé pas mal ce jeu. Et après, comme je savais que Far Cry 3 était sorti, j'ai demandé est-ce que vous voulez du Skyrim ou du Far Cry? Alors la majorité de mes potes m'ont dit Far Cry, donc c'est parti pour. En fait, ils m'ont tous dit Far Cry 3, mais je sais pas, c'est comme ça, je voulais faire du Far Cry moi-même aussi. Attendez, je vais baisser le son de la télé parce que je l'ai aussi dans les oreilles. Je n'ai pas vraiment de sujet de conversation aujourd'hui. Là, je vous présente du Far Cry 3 Aventure Histoire parce que coop, je le ferai avec des potes si y en a qui sont sur Skype avec moi. Far Cry 3, quand même, je trouve que c'est bien les graphismes. Je trouve même que c'est les meilleurs de tous les jeux que j'ai jamais vus. Je trouve que aussi les armes sont pas mal à part les viseurs laser, mais après elles sont pas très précises, je sais pas si je vous le dis. Et puis voilà, après là on va faire un petit Far Cry 3 tranquille. Mais bon, j'ai jamais joué sur les anciens opus et donc là c'est vraiment une découverte pour moi du jeu. J'adore ce téléphone. Je sais pas vraiment à quoi ça ressemble. Pas du tout. Et si je voulais vous parler d'un petit truc qui m'est arrivé il y a pas très longtemps. J'ai reçu un message d'un youtubeur, un message privé, qui m'a me disant que on va dire ma chaîne YouTube était pas mal pour un départ, et pourtant ça fait que 2 mois que je l'ai commencé. Moi ça m'a déjà fait plaisir. Mais après j'ai reçu un autre message de ce youtubeur, et ce youtubeur après il m'a dit que on va dire ma chaîne ne présentait pas assez de polyvalence, mais après elle était pas mal. Après mon code Mandalory, il m'a dit que je pourrais m'améliorer, mais bon, c'est un peu normal. Je débute depuis que 2 mois et j'ai pas l'habitude de commenter des vidéos comme ça. Voilà. Alors, par contre, j'espère qu'il va arrêter de parler parce que j'ai envie de jouer. Maintenant. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il dit. Vous êtes ici. De quoi est ici? Qu'est-ce qui se passe? Allez, dis. L'atterrissage est rude. Pas les dix, Gérard. Ça va aller. On va se calmer, ça va, parce que toi, ouais. Moi, et toi, t'es idiot. Brute, on va bien s'éclater en attendant que le fric arrive. C'est quoi? Avec cette petite cicatrice, et puis, comment tu parles? Un peu plus marrant que vous avez. Direct, t'es vraiment un idiot. Allez. Ouais, complètement un idiot. Je crois qu'on va te bousiller. À mon avis, celui qui est en face de moi là, attaché, c'est un pote à moi. Enfin, moi je pense, parce que. Voilà. Alors, je sais pas ce qu'on doit faire là, exactement. Alors, lui il se détache. C'est bien normal. Ouais, ça t'as raison. Je l'aime pas trop non plus. Vas-y, détache-moi. Tranquille. Ouais, ça fait un peu mal aux mains. Je te le dis. Faut retrouver les autres. Comment? J'ai peut-être une idée. Quel autre? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, je sais même pas pourquoi elle est atterrie là. Je sais pas, il devrait avoir une petite histoire d'abord, mais. Je comprends pas trop. Je comprends pas du tout le début de l'histoire. Parce que je connais pas du tout. Ouais, ouais, on se la ferme, mais d'abord tu meurs, voilà. Et puis voilà. Alors mon sujet de conversation, aujourd'hui, je vous ai dit j'allais pas vraiment, même pas du tout.
Mais je vais vous parler de quelques petits trucs de temps en temps. Alors déjà de l'avenir de ma chaîne. Alors j'avais pas prévu le Far Cry. Alors donc le Far Cry va venir sur ma chaîne le jeudi. Enfin le mercredi, ça dépend. Alors ouais, pour se baisser c'est là parce qu'en fait moi j'ai l'habitude d'avoir le tactique et il n'y a pas le tactique. Alors on peut se mettre qu'à accroupi ou debout. Ouais. D'accord. Parce qu'en fait c'est pas du tout les jeux que je joue d'habitude. Enfin, c'est un peu du FPS et du survie donc en même temps. Donc c'est vraiment dur. Par contre j'ai laissé le mode aventure donc je sais pas qu'est-ce que ça fait. Donc je l'ai fait. Voilà. Alors appuie sur. Alors qu'est-ce qu'il y a? Alors là quand les ennemis peuvent voir se remplir. Ouais ok. Je vais pas. Je vois pas la jauge. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. Après ce jeu, je trouve vraiment là au départ même si j'ai. Enfin j'ai joué à quoi. Mais il me semble que ce jeu est gigantesque. Bon, je l'adore même si j'ai pas joué beaucoup. Là, ça comment dire, ça me fait un peu flipper là. Il y a 4-5 gars dans cette base et on n'a aucune arme. Si on l'a. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi qu'il a pris? Photo. Au rapport. De briquets, ouais, bon, ok. Ouais, il récupère des trucs, je sais pas qu'est-ce que c'est. Alors, vous me dites sur les vidéos de quoi je pourrais parler sur les vidéos parce que vous savez, quand je débute sur YouTube depuis 2 mois, je n'ai pas forcément, on va dire, le savoir. De... Attends, jeter. Détourner son attention. Parce qu'en fait, je vous explique. C'est qu'en fait, moi, c'est très dur de trouver des sujets de conversation complètement. Ah, attendez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, ok. Ah là, il faut jeter de pierre là. Ouais, c'est quoi ça? Vaut mieux qu'il soit une stripteaseuse. Des stripteaseuses. Toi, t'es marrant, toi. Hein? Viens ici. Qui coule? Allez, viens ici. Là-bas. Là-bas. Ah, là-bas. Lâche-toi. Fouillez le coin. Fouillez le coin. Ok, ça marche. On y va. De quoi? Et j'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. Alors, comme moi je viens de commencer ce jeu, j'ai pas vraiment l'expérience pour savoir quoi ça se passe. Et apparemment, je suis mort par un fusil d'assaut. Alors là, bon. Je sais pas. On va continuer. Écoutez. Allez. Il faut qu'on se débarrasse de lui. Balance une pierre là-bas. Ok. Lâche-toi. Ah, mal. Allez, vas-y. Ok, ça marche. On y va. Allez, go go. Okay. En fait, c'est parce qu'en fait, j'ai laissé trop de pierres, donc quand il m'a vu le jeter la pierre, ben, il est venu vers nous, il nous a tués. En fait. J'avais pas compris le truc, en fait. Ah, un couteau, très intéressant. Je lui ai jeté un couteau dans la gorge. Ok. Regarde-moi. Ouais. Je retrouverai jamais Lisa, ni Riley, ni les autres. Sans toi. Ouais. Alors maintenant tu te saisis. D'accord. Ouais, mais tu sais, j'ai pas peur, t'inquiète pas. Je m'en fous.
Je m'en compte trop fou de dégâts là. T'inquiète pas, j'ai pas peur de mourir. Alors quoi on fait pour voter? C'est dur? Allons, j'aime bien. Ah ouais, mais le problème c'est que c'est pas les mêmes commandes que j'utilise tout le temps, donc c'est vraiment dur de y jouer. Mais franchement, là de tout ce que j'ai vu, je trouve que les graphismes sont géniaux. On peut pas se... Attends, on va jeter un caillou. Allez, là-bas. Ça va. Ah, là-bas. On continue. Vas-y, continue. Je te suis. Ah, il grouille, grouille, grouille. Putain, ça va. On passe assez vite. On peut pas sprinter à la croupie, c'est pas mal ça. Ça serait pas mal. Allez, grouille. Franchement, je voudrais avoir une arme et courir de tous les côtés et tuer des jambes parce que là, franchement, un genre d'infiltration ou s'enfuir, c'est pas trop mon truc. Moi j'adore foncer dans le tas et tuer tout le monde. Mais t'inquiète pas, je fais pas de bruit. Tu vois, il fait chute, mais tu vois, 4 heures avant de l'action qu'il fait, c'est pas normal. Franchement, checkpoint intérieur. Franchement, tu sais, les modes histoire, je les ai pas trop utilisés. J'ai jamais dû sauter comme ça sans savoir. Donc, enfin, je l'ai jamais vraiment joué en mode histoire. Ça me plaît pas trop. Moi, je préfère, tu sais, je préfère le multijoueur. Alors, l'autre il est mort. Putain, le pote il est mort. Il est mort. Il va mourir. Putain, le bâtard de l'autre tout à l'heure. Allez, reste à vie, reste à vie. Allez, reste en vie. Je vais te donner 30 secondes. Bon, si c'est Chang, il est mort. Pas tout cru, je le ferai. Allez, faites la merde dans les oreilles. Je dis de foutre le camp, saloperie de l'opette. Allez, putain de merde. Allez, il faut que je cours. Allez, grouille. Cours. Allez. Forest, allez. Je suis quoi, il s'appelle là. Dans la course, allez, ah vite, cours. Ah, me fait de l'action, ça c'est bon ça. Ah, ça par contre, courir comme ça, j'adore. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? Bon, allez, continue à courir. Allez, continue à courir. Ça t'arrêter, allez. Tu as bientôt aller aux Olympiques. Tu cours aussi vite que Forest. Le cheval, tu le connais? Oh merde. Ouais, ben pour le coup, j'ai pas été bon. Alors tu allais courir encore plus vite et tu as sauté plus loin. Allez, parce que là, à cause de toi, on est mort. Tu comprends? On doit faire deux. Enfin, on doit faire un. 1, 2, 3, 4. C'est des nombres, c'est tout. C'est pareil. C'est les mêmes nombres pour moi. 2, 3, 4. Ça veut dire tout, ça veut dire rien. Allez, grouille. Alors cette fois, on va pas se rater. Wouhou! Ah, mais cette fois, on s'est pas raté. Oh, il y a l'avion à l'autre rousse. Allez, grouille. Saute. Grouille. Cours. Saute. Grouille. Saute, monte, on va se faire tuer, monte, grouille, saute, allez, cours, il faut que je retrouve. Non mais c'est dans la jungle, tu dis, il y a 400 soldats qui me courent après, il y a un hélicoptère à mes trousses, après il y aura quoi, un tank à mes trousses. Allez, meurs.
Meurs, 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 meurs. En fait, j'ai pas compris, faut forcer ou appuyer comme ça. Vous êtes mort, oui, j'ai compris. Mais il faut appuyer sans s'arrêter ou rester appuyé. J'ai pas compris en fait le truc. Tu sais, ils me disent appuyer. Ça, je peux appuyer. Mais en fait, c'est que je vois la touche comme si on l'appuyait plusieurs fois. Bon, on va recommencer. Écoutez. Il faut que je retrouve Riley et les autres. Riley les autres, je sais pas qui c'est. Alors, on va s'accroupir tranquillement. On va voir l'autre arriver tout en haut là. Alors, vas-y, 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 vas-y. Allez. Allez. Et non, mais. Et je comprends pas. Ouais. Ok. L'autre il meurt. Ok, c'est bien. Continue à mourir. Ça pourrait être bien. Bon. Alors, on est à combien de minutes de vidéo? On est à 16 minutes. Quoi? À 16 minutes, quand même. Oh. J'ai pas vu le temps passer. Bon, bah, on va faire encore 15 minutes. Après, on va faire plusieurs séries. Là, ça s'appellera Far Cry 3 série 1. Après, série 2, série 3. Ou épisode 1, épisode 2. Ça. Et après, on va dire. On se fait spawn trap par ce gars. Alors, on va mitrailler. Allez, allez, allez. Allez, tue-le. Oui. Voilà. Et on peut pas prendre dans le couteau. Non, bah on court encore. Allez, grouille. Allez, allez, on pompe. Ouah. Oh. En plus, il y a l'hélicoptère. Allez, cours encore plus vite. Ah. On va. Ah, ben voilà. C'est ce que j'allais dire. Le poids, il va se déchaîner. Allez, dans l'eau. Va nager. Ah, franchement, l'eau, elle est vache pas réaliste par rapport à la nôtre sur Terre. Franchement, j'ai jamais vu aussi beau dans un jeu. L'herbe, c'est pratiquement la même. Franchement, la mer, on dirait aussi la même. Mais bon, sauf que. C'est pas pareil. Alors, Far Cry 3, oui, je joue à Far Cry 3. Pourquoi tu me demandes de ça? Tu vas pas me dire que c'est déjà fini. Bon, ben, tout le monde, ben, désolé. On se dit au revoir. L'autre série de Far Cry 3 est achevée. Alors, on est juste à l'épisode 1. On l'a déjà terminé. C'est normal. Bon, ça doit être une date de chargement, c'est tout. Voilà. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous aimez la vidéo de Far Cry 3 que je vous ai présentée. Peut-être au début, je parlais pas beaucoup parce que, après le chemin, j'avais rien à vous dire. Mais en fait, c'est que j'aime bien, j'aime bien courir et tout ça. Et faire des trucs, des aventures et tout ça. Par contre, pendant que je ferai pas des vidéos, je jouerai pas à Far Cry, à part en mode multijoueur. Mais bon, le mode multijoueur, je l'aime pas trop, à part le coop. Et puis, voilà. Salut, gars. Voilà, tu sais que t'as une tête de cul. Enfin, pas complètement. Ton bras est encore en ouais. Le temps de finir le tatouage. Non, franchement, j'aime bien les types comme ça qui ont les bras recouverts de tatouages. Avec une médaille. Faire. Attends, je vais prendre dans le pilar là-bas. Le pilar. Si tu veux, il veut te tuer. Le droit de me tuer. Mais moi, ah bon, j'ai le droit de te tuer. J'ai ce droit sur ta vie. J'ai pas trop compris. Je ouais. Suis Dennis. Jason. Tu es Dennis. Dennis le pénis. Là, je rigole. Ouais, bon, ben. Bonjour. Je suis ravi de te rencontrer. Je sais qui tu es, Jason. Tu es un guerrier.
Fry Shovel, le gars que je suis là, il est musclé. Ah bon, tu sais ma vraie nature? Bon ben, dis-moi qui je suis. Parce que je ne sais pas du tout qui je suis, je sais pas où je suis. Je me suis réveillé dans un coin paumé avec un gars qui a l'air d'une tête de con. Et Fry Shovel, enfin je parle pas de toi, mais je parle de celui de tout à l'heure. Je vais te libérer. Ah bon, tu vas me libérer? Ah mais c'est cool mec, vas-y libère-moi, parce que je sais pas qui je suis, je sais pas où je suis arrivé, il y a un mec qui était avec moi, il a crevé, et après il y a l'hélicoptère plus des gars qui m'ont suivi, bon. Bienvenue au village d'Amanaki. Ouais, je suis content, je vais faire la fête. Oh, jolie poupée, à droite, à gauche, jolie poupée. Oh, je l'aime bien celle qui est une petite t-shirt avec un petit décolleté. Frère Choix, dans leur village, ils doivent se faire plaisir. Ces habitants, les Rakiat, m'ont accepté. La Kiat. Toi, tu fais partie de la T. Ok. Moi, je fais partie de la DSS. T'es content? Ouais, ouais, elles sont charmantes, ouais. T'as raison. Ah, t'as le droit à toutes. Putain, t'as du bol, toi. Ouais. Tiens, de quoi acheter des armes? De quoi acheter des armes? Mon gars, tu me sauves la vie parce que j'ai plus un rang et puis j'ai besoin d'armes pour survivre. Merci. Ouais, bah moi c'est impossible que je me fasse du fric parce que franchement il y a un gars qui a dû me prendre tout mon argent, je sais même pas qui est qui, personne m'a rien dit quand je me suis levé, donc voilà, alors j'ai un petit flag. Ouais. Alors je me suis pris des armes, alors je voudrais m'équiper d'Akimbo. Alors je vais ouais, alors L1, peinture, lançage. Désolé. Un petit. Alors désert. Ouais, bon, on va prendre ça là. Pas assez d'argent. Ok. Munitions. Ça serait pas mal les munitions. Franchement. Je dis pas non. alors, ouais, ouais. Alors, réserver des munitions pour. Ouais bon, allez. Sans elle, je ne peux pas connaître les. Alors suis-moi. Alors attends, manuel. Ouais, non, ça je sais pas ce que c'est. Alors on va suivre Pépé. Ici. L'énergie provient de la chambre. De partout dans l'île. Apprends à la connaître. J'ai pas trop compris ce que t'as dit, mais je sais pas, il m'a l'air que t'as dit un mot qui est très pervers. Mais il y a des brouilleurs. Ce type. Alors, ouais, alors j'ai une arme, oui, ok. Gambrodi, alors c'est quoi ça? Je sais pas, ils m'ont dit que t'allais là. Confidentiel, personnage, oui. Alors moi je suis lui. Ou lui? Non, lui c'est celui qui a crevé. Alors c'est moi? Je croyais que j'étais beau, mais. Je sais pas si beau que ça. Ouais, alors ouais, ouais, bon bah sac à butin, j'ai rien. On peut pas se mettre l'arme dans la main. Jackson Brody. Alors, ah oui, attends, j'ai pas été voir c'est qui Jackson Brody. Vous êtes échappé de la prison de Vass. J'ai pris quelques recherches. Jackson Brody. Bon, ça je m'en fous qui c'était. Franchement, confidentiel. Un bon camarade américain. Bon, ça je m'en fous. Lieu à Amanaki. Bon, ça je sais pas où c'est. Et arme, ok. Bon, bah, l'arme, je m'en fous que j'ai. Moi ce qui m'aide c'est de savoir où je suis. On me l'a dit mais en fait je me retourne en France. Comment je retourne en France? Allez dis-moi toi.
Oh, dis-moi. Allez. C'est par où la phrase? C'est par là-bas, c'est par derrière. T'as pas un camion pour y aller? Ou amène-moi, je sais pas. T'as pas un taxi? À votre époque, y a pas un taxi qui peut m'aveler. Allez. Puis avance là. Je sais pas qu'est-ce que tu fous. Allez, avance. Grouille. Grouille. Oui, j'ai mon arme. J'ai mon arme, j'ai mon arme, j'ai mon... Bon, bah, quand même. Oh, moi qui ai joué au Call of Duty depuis que c'est sorti, vous allez pas me dire comment ça prend, vous m'apprenez à me servir d'une arme, quoi. Bon, alors, je me sers quoi de cette arme? Il faut que j'aille là-bas, ok. Bon, mais à plus, papy. Tu m'as tout appris. Tu m'as juste appris à rien faire, en fait. Alors... Faut monter par cette pente raide. Non, je crois pas. À mon avis, il faut passer par ces chemins là. En fait, c'est que j'ai juste rien compris de ce qu'il m'a dit. Parce que d'habitude, j'écoute personne. Non, faut aller là-haut. C'est sérieux. J'ai pas envie de crever. C'est pas parce qu'un pépé me dit qu'il faut aller là-haut que je vais y aller. C'est quoi ce serpent? Pourquoi il m'a attaqué? Je lui ai rien fait. C'est pas juste. Quoi, nouveau digital? Je m'en fous du nouveau digital. Je veux monter là-haut. Alors, il faut aller là, sûrement. Après, monter là. Après, on va sauter dans le vide. Ouais, on va sauter dans le vide pour monter. C'est la meilleure façon de crever. Allez, là. On va passer par là. Bon allez, qu'est-ce qu'il faut que je foute à haut en fait? Le gars en fait il m'a dit de aller à haut. Mais pourquoi faire? Pour il y a une file là-haut. Ça pourrait m'intéresser. S'il y a quelqu'un d'intéressant, je prends. Ouais. Alors. En fait, il faut aller là. Casser avec ça. Je savais pas que j'avais un couteau. Voilà, alors ça va servir à quoi? Oui, ouais, et je vois pas pourquoi vous montrez des guises, un coffre, une maison. Alors, mission polygone ratio activé, utilisé pour descendre. Oh, ok, désolé, j'ai pas fait exprès. Je voulais juste aller plus vite. Je savais pas que les gars de Far Cry 3 ils pouvaient pas descendre les escaliers comme enfin sauter comme ceux de Modern Warfare 3. J'ai jamais essayé d'être un humain comme ça. Efficace, hein? C'est fait. Bien. Montre-moi ta carte. Ouais. Mais montre-lui la carte. Alors, j'ai pas compris. Tu vois, tout ce que tu dois savoir, ouais, t'a été révélé par la tour radio. Les boutiques. La tour radio. Ok. Te parle. Et les, ouais, méchants viennent de loin, Jason, comme toi. Ils utilisent les tours radio pour faire du business. Je m'en fous des tours radio. Des armes chaque fois que tu libéreras une tour. Le vrai guerrier, oh, doit chasser. C'est dans l'ordre naturel des choses. Ça, c'est bien, une arme. C'est ton terrain de chasse. Fais confiance à ton instinct. C'est la société qui t'apprend à perdre, à la nature. Alors. Là. Bon, si tu veux sauver, là, tes amis, tu dois connaître la jungle. Les peaux d'animaux, ouais, et le cuir te permettront de porter plus d'armes. Bah en fait, c'est que je comprends juste ce que rien de ce qu'il dit. Parce qu'en fait, attendez, je vais augmenter le son de la télé pour entendre ce qu'il me dit. Quand tu auras maîtrisé la jungle. Ça veut dire, parce que en fait c'est que je comprends juste rien de ce qu'il dit. Alors mon instinct, oui, mais qu'est-ce que j'allais à foutre de mon instinct? Donne-moi une arme, toi. Une arme. Bon. A plus, papy. Ravi de t'avoir connu. On peut pas prendre la voiture? Ah, ça va plus vite. Alors vu mon talent de conducteur.
Allez, grouille. Alors, qui veut me prêter sa voiture? Ben, regardez comment je conduis. On peut même pas. Oh là 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 là, là c'est pas possible. Je suis pas, je suis totalement nul là en voiture. Moi. Wow. Ouais, ok, ouais. Alors moi, je vous dis, si vous voulez me prêter votre voiture, c'est à vous de savoir les dégâts, parce que je ne sais pas du tout conduire. Vous avez vu un gars bourré? Ben moi c'est pareil avec ma voiture. Voilà. Je casse tout sur mon passage. Ma voiture est tête. Oh. Oh. Quoi on fait? On fait pour. Bon, on va rentrer comme ça. Là, on va sortir de la voiture. Voilà. Voilà. Grouille. Alors. On va prendre ça là. Qu'est-ce qu'il y a là? Alors ouais. J'ai ma voiture pour ta coffre caché, mais je le vois pas le coffre caché. Il est où? Voilà vite, je vois pas où il est le coffre caché. Ok. Voilà, on récupère la bouffe. Ouah, ça c'est beau ça. Ouais, sauf que je vois pas vraiment où il est le coffre caché. Ouais, le coffre caché, je sais ce que c'est. Jason. Jason. Ouais, ça doit être pour Jason. Et bon, bah, pour la vie, le coffre caché doit être là. Parce que je vois une perle. Je vois pas en fait, je vois pas vraiment ce que je vois ça, mais... Ah, j'avais pas vu le coffre, il est là, des munitions de pistolet, de l'argent. Oh cool. Alors là-bas sûrement il y a l'autre coffre caché là, ici une mini lampe. Ouais, il y a pas autre chose très intéressant. Alors ça c'est quoi? On va aller voir ce que c'est. Ok, on va aller prendre ça là-bas aussi. Là, voilà. On va cueillir un peu de tout. Voilà. Alors, on va voir à peu près ce qu'il y a. Alors, de pêche. Alors, je crois qu'on va aller vers là-bas. On va aller. Directement coffre caché. Bon, on va aller là-bas. Allez, go. On retourne, je crois, au même endroit, mais bon, c'est pas grave. J'ai envie de récupérer des trucs, quoi. Allez, go. Go. Le plus vite possible. Pourquoi là-haut? J'ai pas compris, hein. C'est une mission en fait qui m'a donné d'aller faire quoi? En fait, j'ai pas du tout compris ce qu'il m'a dit de faire. Parce qu'en fait, comme j'écoute pas vraiment ce qu'il dit, c'est vachement difficile de savoir de ce qu'il dit lui. Surtout que quand il parle, un idiot. Alors, ouais. En fait, c'est quoi ma mission? Je crois qu'on peut regarder manuel, ouais. Alors voilà, mission. Polol Radio. Mais je sais pas ce qu'il faut faire. Voilà. Non. Oui. Ok, non mais ça je m'en fous. Qu'est-ce que je dois faire au juste? Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. On me dit rien. Le gars, car il m'a dit de... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah ok. Oh, ça charge bien ça. Alors voilà, on récupère la viande là. Ah, ça c'est beau ça. Oh. Il faut que... Quoi?
faut que j'aille à pied. Où est ma voiture? Ma jolie voiture. Non, ma jolie voiture. Bon bah, mon moyen de déplacement, j'allais plus. On m'a débarrassé de ma voiture. J'avais une jolie voiture. À mon avis, en fait, il fallait pas que j'aille en voiture parce que... Alors, quitter la zone de mission, retourner à l'objectif aussi là où la mission échouera. Ah, ok, en fait, je comprends pas en fait ce qu'il faut que je fasse. Objectif en gros, ok. En fait, il faut que je fasse quoi? Il m'explique même pas de ce qu'il faut que je fasse. Je vois pas vraiment en fait ce qu'ils me disent de faire. Ah ok, en fait il faut que je ramasse ce qu'ils me disent là. Faut que je tue un autre sanglier là-bas qui doit être là-bas. Ah voilà. Ah ok, en fait j'avais pas du tout compris de ce qu'ils me disaient. Après il faut que je prenne ça. Voilà. Des feuilles rouges, ben on va déjà prendre dans la feuille bleue qui est là-bas, qui se situe là. Bon, on va la prendre là. Ah ouais, ben... Elle est où? Elle est là? Ok, mais en fait, je vois pas où elle est la feuille. Oh bah, je sais pas. Je sais pas du tout ce que ce qu'ils me disent de chercher. Le chemin, je vois rien. Ah voilà, là, ça je vois. Allez, grouille, grouille, grouille. Va haut, va haut. Oui, c'est bien. C'est bien, mon chien. Alors, maintenant, il y en a encore ou pas? Ah, les feuilles rouges. Il y en a une là-bas. Allez, on va prendre dans ça. Pour faire une jolie potion. Alors, après, il y a quoi? Il faut que je fasse quoi? Faites un déplacement rapide de l'Izabashi. Faut que j'aille là. Ok. Alors, je comprends pas pourquoi ça fait ça. Alors, je regarde vite fait. On est à 38 minutes. Normalement, je devrais terminer. Voilà. Alors, on va juste prendre ça. Interagir, alors on va prendre nos mitraillettes. J'ai combien d'argent? J'en ai pas assez, donc on va ouvrir la porte. On peut pas interagir. Alors, oh, jolie madame, voulez danser avec moi? Allez, venez, faites un tour. Même pas. Oh. Bon, m'a rappelé tout ça, ce joli monsieur là. Alors, c'est par où? C'est par là-bas. Alors, on va aller là-bas. On va lui ramener son truc. Et après, hop, on termine la vidéo. Voilà. Alors, je lui ai ramené son truc, en fait. Voilà. Viens, tu vas imposer ta volonté à la nature. Je t'apprendrai. Ouais. Bon, voilà, bon ben on se retrouve plus tard, alors on va sauvegarder, voilà. Attends, l'option de sauvegarde n'est pas valide, votre mission progressera automatiquement au checkpoint. Confrontation. Ouais, mais c'est que là, je voudrais partir. Alors, sers-toi de tes plantes pour fabriquer de ce bien, Jason. Tu
tu pourrais même trouver des plantes plus puissantes. Non, mais c'est que moi là, je veux partir. Chance. Maintenant, utilise les peaux de tes gibiers pour transporter plus d'équipements. Tu peux confectionner de quoi transporter plus d'armes, d'argent, de butin ou de seringues. Ah, une dernière chose, le tatouage sur ton bras. Il signifie que tu es spécial, que tu as l'âme d'un guerrier. Tu progresses le long du chemin. Je vais te montrer comment les utiliser. Pour chaque tatouage, une compétence est maîtrisée. Tu peux décider de maîtriser trois disciplines différentes. Là, oui, mais c'est que là, je veux partir. Je veux partir. Et le tatouage grandira avec chaque compétence apprise. Choisis-en une autre. Oui, mais c'est que je veux partir. Allez, laisse-moi partir, Pépé. Mais... tu es très doué, Jason. Merci, mais laisse-moi partir. Allô? Oui. Hey Philippe, on est sur la route de l'avant-poste près d'Amalaki. Ok, mais là je veux partir parce qu'il y a un vieux schlock qui veut pas me laisser partir et vous m'appelez. Je veux partir. Allez. Suis-moi. Viens. Non, je veux pas venir. Je veux dégager. Je veux partir. Mais laisse-moi. Partir, bordel. Bon, on va quitter, voilà. Bon, à la prochaine tout le monde pour une vidéo de Call of Duty Black Ops 2. Allez, au revoir tout le monde. Par contre, je ferai des ces vidéos sont faites que cette semaine, donc parce que la semaine prochaine je suis pas mère, donc je vous dis à la prochaine. Ah, voilà, c'est tout court. Et n'oubliez pas, vendredi c'est la fête du monde. Alors donc je posterai pas de vidéo. Là, je rigole. Allez, à plus tout le monde.